tous, je suis en compagnie de Franck Sauzé pour vous faire vivre ce match amical. Au programme de ce match, l'opposition entre le FC Barcelone et la Juventus. Bon, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte de commenter ce match. C'est une très belle affiche, vous avez raison. Tout est là pour qu'on se régale, les joueurs aussi ont hâte d'en découvrir. La Juventus qui retrouve petit à petit sa gloire d'antan. Disons qu'entre 2003 et 2010, elle a connu une période difficile, notamment avec quelques scandales extrasportifs, mais elle revient au premier plan depuis quelques années. Elle a même remporté les deux derniers Scudetti. C'est le FC Barcelone qui va lancer cette rencontre. Xavi. Ah, elle n'ira pas au bout cette attaque. Pour Messi. Pour en haut. Et déjà le premier coup de sifflet. Pirlo. La bonne abnégation sur cette interception. Rakitic. Il a du soutien, c'est bien. Il tacle. Qui sera le premier sur le ballon? Attention Franck, quand vous parlez de la Juventus de Turin, hein, vous vous adressez à une vieille dame. Hein. Oui, étrange surnom. Hein. Alors rien de péjoratif, simplement une forme de respect de ses supporters. Pour ce qu'il considère comme une institution. Luis Suarez. Ça a donné une touche pour la Juventus de Turin. Evra. Evra qui incarne parfaitement les arrières latéraux modernes avec leur montée pour apporter le surnombre devant. Carlos Tevez. Oh, ils vont marquer peut-être. Alessandro Matri. Ouais, de la tête, c'est superbe. Superbe construction sur ce but. On voit bien toute la qualité de ce joueur dans les centres. Il ne veut pas lui laisser trop de champ pour déborder. Sinon, la finition est immédiate. Le cas d'école sur ses corners avec à la finition une superbe tête. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. On est à Pirlo. La tête ceci pour le gardien. Je vous laisse regarder de nouveau ce but. Un bon tacle de Messi qui récupère le ballon. Oh, quel joli tir! Ouais, c'est contré. Défenseur qui est passé. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Oui, l'occasion peut-être avec cette frappe.
attention, c'est pas terminé, ça joue. Et le ballon est sorti, c'est un corner pour la Juventus. Cette occasion de but qui finit dans les bras du gardien. Je crois quand même qu'il était trop loin pour espérer quoi que ce soit. La belle intervention de la tête du défenseur. Il essaie de gêner Messi là dans son action. Oui, il a un peu d'espace. Oh, la jolie frappe. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Messi. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Xavi. Tour en haut. Andrea Pirlo. Petitic. Ah, il vient buter sur la défense. Oh, ça va rentrer. Oh, poteau, oulala. Deux pour le FC Barcelone. Ils sont récompensés de leur prise de chaussure. C'est bien, c'est logique, ils ont pris plus de risques. Ils ont créé plus d'opportunités. C'est bien, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et les voilà donc à égalité, un but partout. Un petit de terrain à l'attaque. Ouh, quelques centimètres. Et en bas. Ah oui, ça siffle sur cette passe en retrait. On va dire son part du ballon. C'est trop fort en effet. Ah, bien taclé, mais c'est pas fini. Lionel Messi. Tour en haut. C'est facile cette récupération. Lionel Messi. Oh, ils sont nombreux. Oh, ça peut aboutir. La frappe. Oh, ça passe loin, très loin du cadre. On voit ce but une nouvelle fois. Pereira. Et là. Oh, le beau tir. Oui, la frappe lourde là de Messi qui trouve le gardien sur sa route. Allez, corner à suivre pour le FC Barcelone. Jordi Alba. Pereira. Et il lui redonne. Tour en haut. Plus que le gardien éliminé. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre. C'est dégagé. Arturo Vidal. Carlos Tevez. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Il a sifflé. Lionel Messi. Elle a réussi à passer. Oh, quel joli tir! Petitic. Matri. Dani Alves. Rakitic. Tour en haut. Ouais, bonne anticipation du gardien. Ouais, la sortie s'imposait, il a su être vif. Xavi a marqué de près.
Le Blaugrana à la construction. Et la défense qui fait barrage. Il a du temps pour centrer. Oh, il repousse. Matri. Ce sera un coup franc pour la Juventus de Turin. Il le joue rapidement. Andrea Pirlo. Luis Suarez. Carlos Tevez. Andrés Iniesta. Lionel Messi. Peut-être une occasion. Le Messi qui passe. Attention! Et le gardien qui remporte son duel. Matri. Et faute sur le joueur de la Juve. Et coup franc donc. Evra. Ça va donner une touche pour la Juventus de Turin. Lionel Messi. Oh, c'est parti. C'est dommage, hein, c'était l'occasion de prendre l'avantage. Tacle parfait qui va faire plaisir aux puristes. La faute du joueur de la Juve, oui. Et la lutte bien décidée à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il a le carton un peu facile sur ce coup-là. Les joueurs du mur qui s'avancent. Ouais, bon arrêt du gardien. La frappe n'est peut-être pas assez appuyée. Lionel Messi. On s'approche du but. Et coup franc contre Barcelone. L'arbitre qui décide de ne pas laisser passer cette faute. Je pense pas que ça méritait vraiment un carton jaune. Pour en haut. Pirlo. Super bon tacle de Xavi qui récupère. Evra. Carlos Tevez. Le ballon qui va arriver dans la surface. Iniesta avec Messi. Il y a peut-être quelque chose de bien à faire là sur. Ah, c'est repoussé, attention. Lionel Messi. Attention à ce coup franc qui sera bien placé. Il a préféré l'arrêter, mais il a commis une faute et il prend un jaune. Ouais, et derrière, il expose surtout son gardien. Voilà, est-ce qu'il y a faute sur ce tacle? J'espère pour lui qu'il a voulu jouer le ballon. En tout cas, un tacle dangereux quand même. Le joueur qui grignote quelques centimètres. Les joueurs qui ont essayé de grappiller quelques centimètres, comme souvent. Et l'arbitre sanctionne. Alors je trouve ça normal. Après je me suis toujours demandé quel joueur il faut avertir dans ces cas-là. Ah oui, c'est parti. Contrer ce tir. Oh, la bonne passe bien dosée. Oh, qu'elle est bien partie. Fin des 45 premières minutes donc, et le score est de 1 partout. Ça
Cette première période a été assez animée offensivement parlant, avec des joueurs qui ont tout fait pour se montrer dangereux. Il aura simplement manqué une petite dose de réalisme et une meilleure réussite dans la dernière passe. La Juventus qui marque. Ça y est, début de la seconde période donc. Oui, on espère voir autant de bougies qu'en première. Rakitic. Lionel Messi. Il va pouvoir centrer. Patrice Evra qui doit protéger son ballon. Andrés Iniesta. Ah, attention, la frappe. Ah, ils avaient l'occasion de prendre l'avantage au score. Interception. Xavi. Matri. Lechsteiner. Non, ce ne sera pas ce coup-ci là qu'il se fera déborder. On est vers la zone de vérité. Titch. Oh, il la récupère. Messi. Et le gardien qui est sur ce ballon. Le ballon qui sort en corner pour l'FC Barcelone. Pour l'inspiration sur ce corner, mais il n'y aura pas de but. Et il s'en est fallu deux coups. La défense et le gardien ont eu chaud. Alors là, Hervé, j'ai bien cru qu'il allait marquer sur cette action. Oh, le beau tir ! Il rate complètement son action. C'est dommage parce que ça avait été bien amené. J'ai l'impression qu'il a un peu paniqué au moment de conclure. Lionel Messi. Ouais, bien taclé, mais c'est pas fini. Un joueur du Barça qui est sanctionné. Une petite stat sur le nombre de fautes. Un tir complètement raté. Sur cette action, très belle anticipation en effet. Andrés Iniesta. Oh, quelle qualité dans ses passes. Ouais, bien taclé, mais le ballon n'est pour personne. Ouais, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Ouais, c'est un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester dans le match encore. Et la voilà, la frappe. Oh, le gardien qui repousse, attention. Pour Messi. La bonne récupération là de Chiellini. Titch. Matri.
Ils avaient bien l'intention de faire la différence, mais c'est raté pour ce coup-ci. Le ballon qui donnait de la tête. Oh, il est passé. Oh, quel joli tir! Le gardien qui repousse. Curaro. Charano. La frappe! Oui, formidable arrêt du gardien. L'attaquant avait mis tout son poids, toute son énergie sur cette frappe. Oh, la défense a eu chaud sur ce coup-là. Le gardien, eh bien, il veillait, heureusement. Xavi. Lionel Messi. Ouais, faute contre la Juventus. Jordi Alba. Ah, c'est repoussé, attention. Patry. Attention. On en reste sur ce score de parité. Le ballon qui file jusqu'au gardien. Et cette action n'ira pas plus loin. Rakitic. Défenseur qui est passé. Attention, il n'y a plus que le gardien sur sa route. Oh, la jolie frappe. Il est parti sur le but, mais il a complètement manqué le dernier geste. Ah, il a voulu trop bien faire, sans doute. Et les supporters adverses qui le sifflent, évidemment. Jordi Alba. Rakitic. Bon, belle passe et du talon. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, c'est parti. Ouais, le gardien, c'est pas fini. Et nouvel arrêt du gardien, mais cette fois, il garde le ballon. Ça va donner une touche pour la Juventus de Turin. Oh, attention, le tacle misé, il a bien fait de sauter. Oh, quel conduit. Oh, c'est bien parti. C'est repoussé par le montant. Iniesta. Lionel Messi. Il vient en contact. Il vient buter sur la défense. Andrés Iniesta. Il s'approche. Oh, quelle occasion! Oh, l'erreur, la bourde! Et ce ballon qui vient heurter le poteau avant de rentrer. Il a tourné dans le bon sens avant de rentrer dans le but et le gardien s'incline. Il passe à traction là, qu'ils oublient ce but ridicule. Il résiste à la charge, il gagne son duel. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Et l'arrêt du gardien, c'est propre et net. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Lionel Messi. Ah, faute du joueur de la Juve, oui. Qui essaie comme souvent de grappiller quelques centimètres. Ça passe tout près, hein, surtout compte tenu de la distance à laquelle il était lorsqu'il a frappé. Il y avait peut-être mieux à faire, mais on peut saluer la belle prise d'initiative. Et comme vous dites, ça passe pas si loin que ça. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être à un tournant de cette rencontre. Allez, grosse ambiance ici, en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un... Ce sera un coup franc pour la Juventus de Turin.